Voilà donc deux inéquations que nous allons résoudre. Alors, on commence avec la première, que voici, moins 3x plus 7, plus grand ou égal à 2 fois x moins 1 plus 3. Donc, première étape dans la résolution des inéquations, il s'agit de considérer chacune des expressions qui sont des deux côtés du symbole d'égalité. D'inégalité et de les réduire. Alors 3x moins 3x plus 7, on ne peut pas réduire. Par contre, 2 fois x moins 1 plus 3, parenthèse. Donc là, on peut écrire 2x moins 2, la distributivité, plus 3. Et ensuite, le moins 2 et le 3 peuvent être réduits pour être mis ensemble. Moins 2 plus 3 fait plus 1. Donc là, l'inéquation revient à écrire moins 3x plus 7 égale 2x plus 1, ce qui est la forme générale d'une inéquation du premier degré. À partir de là, nous commençons dans l'intention d'isoler le x. Donc j'ai à gauche un moins 3x, à droite un 2x. Alors il y a différentes stratégies. Ici, on va proposer plutôt par défaut d'essayer de systématiquement avoir le x plutôt restant du côté gauche de l'inéquation et le non-x, c'est-à-dire les nombres du côté droit. Donc on va soustraire 2x des deux côtés de l'inéquation. Je fais une soustraction, donc soustraction, pas besoin de faire attention à changer le signe de l'inéquation, ce qui conduit à l'inéquation suivante, moins 2x et moins 3x et moins 2x fait moins 5x plus 7. Et à droite, évidemment, le 2x et le moins 2x se simplifient et il reste le 1. Puisque mon intention était d'avoir que du x de ce côté, ben il faut maintenant que je cible le 7 qui est ici. Donc je vais cette fois-ci soustraire 7 des deux côtés de mon inéquation. Même chose à droite, 7 moins 7 va disparaître et il me reste à gauche moins 5x et à droite 1 moins 7, c'est-à-dire moins 6. Alors il s'agit maintenant de cibler le nombre qui multiplie x ici, c'est-à-dire ce moins 5, et de se demander comment est-ce que je vais pouvoir faire en sorte de pouvoir simplifier ce moins 5. Donc comme il y a une multiplication entre le moins 5 et le x, je peux ici diviser par moins 5, puisque comme la multiplication est là, c'est comme s'il y avait une parenthèse ici, la simplification des fractions m'autorise à simplifier le moins 5 et le moins 5, il restera bien que x. Donc l'opération que je dois effectuer sur cette inéquation, c'est une division par moins 5. Alors bien sûr, si j'ai divisé par moins 5 le membre de gauche, je dois aussi diviser par moins 5 le membre de droite, mais attention, j'ai ici fait une division par un nombre négatif. Et donc, je dois changer le sens de l'inégalité. Et il me reste donc x inférieur ou égal à moins 6 sur moins 5 fraction, moins sur moins plus, donc moins 6 sur 5. Et dans cette expression-là de l'inéquation, je peux lire directement la solution, qui est donc que les solutions sont tous les nombres inférieurs ou égaux à 6 cinquièmes. Nous verrons plus loin qu'on peut, plutôt qu'utiliser le français, adopter une notation mathématique et même représenter graphiquement cette solution. On passe donc à la deuxième équation, qu'on va mettre sur une nouvelle page. Là voilà, x moins 3 inférieur ou égal à x sur 2 plus 3x moins 5. Donc comme tout à l'heure, première étape, réduire chacun des membres de gauche ou de droite de l'inéquation x moins 3, on ne peut bien sûr pas faire mieux. Ici, x sur 2 plus 3x moins 5 tiers, on est confronté à un problème de fraction. Donc il va falloir mettre ensemble ici le x sur 2 et le 3x. Pour ceci, nous devons travailler avec le calcul fractionnaire. Donc moins 3x, 3x c'est la même chose que 3x sur 1. Donc dénominateur commun entre 2 et 1. Nous allons écrire ces deux fractions sous le dénominateur 1. Pour ceci, on amplifie le dénominateur, on amplifie le numérateur. Je suis en train de travailler uniquement dans cette parenthèse. Ce qu'il y a autour n'est pas impacté à ce stade. Et maintenant, puisque j'ai un dénominateur commun, je fais vraiment le détail du calcul, hein, parce que pas inutile souvent de se rappeler
ces calculs dits élémentaires. Donc x sur 2, 3, x fois 2, 3 fois 2, 6. J'ai donc 6x, 1 fois 2. J'ai donc simplement amplifié la fraction 3x sur 1 pour obtenir la fraction 6x sur 2. J'ai maintenant le même dénominateur, donc je peux écrire la fraction au dénominateur commun. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est l'addition des fractions. Ce qu'il y a autour, toujours, ne change pas. On travaille à la chaîne un peu, là. Hop, x moins 3, x moins 3. Et donc, je peux réduire maintenant x plus 6x et arriver enfin à 7x sur 2 moins 5 sur 3, qui est supérieur ou égal à x moins 3. Alors maintenant, il y a plusieurs stratégies. L'une consiste à d'abord traiter le problème des fractions, c'est-à-dire de se débarrasser en quelque sorte des fractions prioritairement, et l'autre consisterait à d'abord faire en sorte que les x se retrouvent d'un seul côté de l'inégalité et les non-x de l'autre. Les stratégies sont à peu près équivalentes. On va ici commencer d'abord par s'occuper du problème de fractions. Donc j'ai maintenant en réalité 4 fractions dans cette inéquation, x sur 1, 3 sur 1, 7x sur 2 et moins 5 sur 3. Et je recommence finalement la même chose qu'ici. On aurait pu bien sûr dès le début travailler sur l'ensemble des expressions qui sont là pour les mettre au dénominateur commun. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le faire, bien sûr. Donc 2, 3 et 1, c'est bien sûr 6 le dénominateur commun. Donc on va tout écrire sur 6. On va donc amplifier ici 7x sur 2 par 3. On va amplifier 5 tiers par 2, on va amplifier 3 sur 1 par 6, et on va amplifier x par 6. On obtient donc 6x sur 6, moins 3 fois 6, 18 sur 6, inférieur ou égal à, on va remettre ici à la bonne hauteur, 7x fois 3, donc 7 fois 3, 21x sur 2 fois 3, 6, et 5 fois 2, 10x sur 2 fois 3, 6. L'ensemble de ces fractions ont un dénominateur commun. Je peux donc maintenant écrire 6x moins 18 sur 6, 21x moins 10 sur 6. Et à ce stade, on va reprendre maintenant ce petit morceau-là pour aller le mettre un peu plus haut et pouvoir continuer. À ce stade, je vais commencer à travailler sur les inégalités, avec les propriétés des inégalités. Je vais donc commencer par multiplier par 6. Donc je multiplie par 6, attention, c'est vraiment, je multiplie toute l'expression de gauche et toute l'expression de droite par le même nombre 6. Et le calcul de fraction me dit que 6 fois une expression sur 6, je peux simplifier le 6 et le 6, parce qu'ici il y a un fois, je peux simplifier le 6 et le 6. Et je me retrouve avec, enfin, 6x moins 18 inférieur ou égal à 21x moins 10, une inégalité ou une inéquation dans laquelle il n'y a plus de problème de calcul de fraction. Encore une fois, on peut procéder symétriquement. Tant que vous arrivez à la bonne solution à la fin, c'est a priori que vous avez pris un chemin correct. On continue. Ce 21x, eh bien, on va soustraire 21x des deux côtés. Donc, moins 21x ici, moins 21x ici. 21x moins 21x vont se simplifier. Et à gauche, 6x moins 21x, ça va faire moins 15x. Ici à droite, il reste seulement moins 10. Je vais maintenant cibler ici le moins 18. Donc je vais additionner 18 des deux côtés de l'inéquation. Je travaille avec des soustractions et des multiplications, donc pas de problème, pas de risque de devoir changer le sens de l'inégalité. Moins 18 plus 18, bien sûr, ici, ça se simplifie. De l'autre côté, il me reste moins 10 plus 18, c'est-à-dire 8, moins 15x, égale 8. Je m'attaque maintenant, entre guillemets, au moins 15 qui multiplie x, donc je divise par moins 15. Je divise par moins 15, ici, le fait de diviser par moins 15, diviser par un nombre négatif, attention, changer le sens de l'inégalité. La division par moins 15 me permet de simplifier ici le moins 15 avec le moins 15, et il me reste x plus grand ou égal à 8 sur moins 15, ce qu'on peut écrire moins 8 sur 15.
Les solutions sont donc tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 8 sur 15.